suis né de l'autre côté de la France, dans l'est de la France. Je suis un enfant de la campagne. Et puis pour le travail, je suis arrivé il y a un peu plus de 20 ans à Saint-Nazaire et je suis venu pour participer à la construction des géants des mers, des paquebots. Je suis tombé amoureux de cette ville. C'est incroyable, cette énergie, cette mer, cette opportunité de bouger, de faire des choses. Elle est en mouvement permanent, elle est très dynamique, elle est très sociale, elle fait de l'intégration, il y a tout pour plaire. Et après, ce qui est aussi assez impressionnant, c'est sa dimension industrielle. Les gens s'en rendent pas compte, mais on fabrique les plus gros bateaux du monde, les plus gros avions du monde, les plus gros moteurs du monde. C'est un énorme bureau d'études, Saint-Nazaire. Il y a énormément d'intelligence et mélangé avec beaucoup, beaucoup d'humilité. Je suis très curieux de tous les jeunes qui entreprennent. Ça m'intéresse. Je vais aller regarder, je vais aller creuser. J'ai pris une retraite très active parce que j'ai créé ma propre petite entreprise de conseil, mais je fais surtout du bénévolat, surtout auprès des jeunes qui entreprennent, qui ont des projets. Et il y a pas mal de projets sur Saint-Nazaire, il y a pas mal d'associations. Il y a un très beau projet de soins de la faune sauvage. C'est de créer un établissement de soins pour la faune sauvage. C'est ambitieux, difficile et ils ont besoin d'un coup de main pour rendre le projet réalisable économiquement. Et moi, j'essaye de leur apporter ce soutien. À Saint-Nazaire, c'est créé un Fab Lab, il s'appelle le Blue Lab. Hein. C'est un lieu où des anciens viennent partager leur savoir en bricolage, en plein de domaines. Et puis les jeunes viennent avec des projets et puis ils passent du temps ensemble. Et puis de là naît des projets beaucoup plus structurants avec des gens qui deviennent des créateurs non seulement d'objets mais d'entreprises. Les rêves, je suis plutôt en train de partager, d'essayer de partager ceux qui en, les jeunes qui en portent là. Il y a de la jeunesse qui arrive là, ça va bouger, ça va râler, ça va faire du bruit, ça va... Mais voilà, c'est Saint-Nazaire vivante telle qu'on a envie de la voir, en tous les cas moi.